Ah ouais, salut, c'est l'histoire de la chaîne NesBob Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Assassin's Creed Unity. C'est que la dernière fois, on s'avait laissé en escaladant la tour de Paris. Puis là, tout en volait partout. Puis là, on se faisait tirer dessus par des avions. Là, c'était quasiment la guerre, dans le fond. Mais c'est ça, en fait, c'est la guerre. On avait vu des soldats à moitié programmés, mais quand même. C'est que, du coup, on va faire ça tout de suite. Shit. C'est la merde dans le fond. Non, non, tu m'en vas dessus? Non, non. C'est rejoindre l'étage, on est pas mal là. Là, c'est qu'on prend l'ascenseur. Il y a un ascenseur là. C'est par là? Je sais pas, moi, je fais juste. Escalader. Aucune idée c'est où faut aller. Je prends le chemin qui m'a l'air le plus comment dire, le plus évident. Ah, là il y a une échelle. Ça doit être par là. Non, on va utiliser ça. Putain, les touches sont à l'envers. C'est genre. Ah non, c'est ça. Ah! Pas mort. Bam! Voilà. On va grimper là. C'est où, faut aller. Ah! Merde, j'avais pas vu. Ok. C'est malade, sérieux, c'est. Mettons que Ubisoft ils l'ont l'affaire. Là, voilà ton issue. Fais vite. Fais vite, ouais. Je vais essayer. Ah, c'est malade, ça passe, sérieux, c'est. C'est un moment-là, il est cool. Voilà. Oui. Hey. Ah, j'étais sûr qu'on a fini. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh shit. On va essayer d'éviter la lumière parce qu'on dirait qu'il nous tire quand on. Ah, fuck it. Shit, c'est quoi qui arrive? Ok, du barbelé. Non. Non. Tu sais où faut aller. Descends, descends. Ok, on va s'ordonner la vie. Ok, ben c'est là. Putain, c'est la merde. C'est cool. Les soldats. Allez, allez. Oh, chut.
Ah, ok. Il y a de l'action. Good. Je vais par le portail. Je ne cherche pas à t'alarmer, mais ce portail est très instable. Ok. Bon sang, il a disparu. Ferme. Poursuis ta route, on va le rouvrir. Allez, saute. Ça devrait faire l'affaire. Tu vas devoir sauter. Ouais. C'est cool, sérieux, c'est cool, c'est... J'ai bien aimé. Putain, il y a de l'action sur NesBob Show, hein. On serait pas cru dans Assassin's Creed, hein, avec cette passe-là. C'était cool. Ça fait changement un peu, on voit des bouts d'histoire. J'aime bien. J'aime bien. C'est lent. Là, je sais pas où qu'on va apparaître, là, par exemple. Là, le portail est instable. Alors, oui. Et nous sommes de retour. Merci, yeah. Nicole. Essayons de limiter ces transferts au maximum, d'accord? Eh, c'est à ton initié qu'il faut dire ça, ma jolie. C'est pas moi qui laisse mes empreintes numériques aux quatre coins de Paris. On croirait une meute de chiens de chasse. C'est noté. On t'appellera si on a besoin de toi. Good, c'est nice. Ouais, c'était cool. On va aller chercher le petit argent. Oh, vraiment? Le petit 80 pièces. Je me le demande. Je l'ignore. C'était vers minuit. Il se tenait près du mur du fond. Il chuchotait. Monsieur avait l'air bouleversé. Ah, c'est quoi ça? Les finances vont mieux. Il disait qu'ils allaient bientôt disparaître. Et toi, que faisais-tu près du mur du fond à minuit? Je fais vraiment pas d'argent, hein. C'est vraiment un problème. Je prenais l'air, c'est tout. Je n'en doute pas. Il me semble qu'avant, dans les autres Assassin's Creed, là, avec l'émission que tu faisais, ça te rapportait quelque chose. Là, c'est... t'as rien, hein.
c'était absolument rien. Ah, juste checker quelque chose avant d'entrer là-dedans. On a-tu débloqué la tenue numéro 2 en le tuant? Oui! Bellec. La tenue de Bellec. Ouais. Ah, c'est ça que j'ai. Il n'y a pas de capuchon, cette tenue-là. Je comprends pas pourquoi il y a du monde qui l'ont vu avec... avec un capuchon, là. Mais bon, c'est des petits détails. Ouais, c'est cool. On va aller là. Voir la mission. Mon ami, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Comme toujours. Non, c'est juste là. Ah ouais, donc. C'est qu'ensuite, pareil, hein, on avance quand même vite. Vous m'avez convoqué? Monsieur Dorian, nous avons un travail pour toi. Vous voulez encore que je joue les messagers? Deux maîtres assassins sont morts, l'un de ta main pour protéger un Templier. Estime-toi heureux que nous ne te punissions pas davantage. Germain? Son sort ne te regarde pas. La nuit dernière, la commune de Paris s'est déclarée en insurrection ouverte contre le roi. À l'heure où nous parlons, 20 000 révolutionnaires armés font le siège des Tuileries. Même la garde nationale est divisée. Certains de ses membres ont rejoint les insurgés. La France est sur le point d'imploser. Cela devrait nous ravir, non? Le peuple se bat pour ce qui lui est dû. Liberté, égalité. Oui, tu aurais raison si nous ne cherchions qu'à équilibrer une balance. Mais la réalité est bien plus complexe. En mettant de l'ordre dans les affaires de Mirabeau, nous sommes tombés sur des correspondances de nature royale. Mirabeau était en relation avec le roi. Et ce ne fut pas aussi discret que cela aurait dû l'être. Si les exemplaires de ces lettres en possession du roi étaient rendus publics, les Templiers seraient en mesure de révéler qui sont nos agents et de les éliminer partout en France. Je dois donc m'assurer de les trouver avant eux. Au plus vite, les gardes suisses sont en difficile posture. Ils seront probablement débordés avant la tombée de la nuit. J'ai pris l'habitude d'entrer sans invitation. Bon, je vais faire une petite coupure. C'est que là, je vais retenir le temps. Là, on est à 13, 19, 20. Ouais. C'est que là, on va retenir ça. Faire une petite coupure. Voir si tout va bien. Et que tout a sauvegardé. Puis que mon ordi plante pas. Que ça fasse planter mes affaires. Arme à l'épaule. On joue. Feu. Oh. Bien joué. Reprenez position. Putain, c'est la merde. C'est la merde. Vive la révolution! Vive la révolution! Ok. C'est avec coupure. On se retrouve tout de suite. Good, me revoilà. Ça continue. La rhétorique des émeutiers laisse à désirer ces temps-ci. Faire quoi? Vous infiltrer dans le palais. Ok, parfait. Eh merde. Pourquoi je peux pas bloquer? J'accroche toutes mes pitons. Je
fallait. J'ai eu la chienne, mon chien vient de sauter sa table. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Descends de l'eau, descends de l'eau. Ouais, en bas. Ouais, en bas. Putain, il vient de me foutre la merde. Faut entrer par où? Tantôt, je le voyais, là, je le vois plus. Juste s'introduire dans le fond, on prend n'importe quoi. On prend n'importe quelle. N'importe quelle fenêtre. Il y a une petite fenêtre d'ouverte ici. Non, non. De quoi, espèce de truc? Vous avez vu le tyran? Il a dû ficher le camp. Ça lâche! Bon, voilà. Trouver le bureau du roi. Ok. C'est en bas. Moi j'ai plus de... T'es drôle. J'ai plus de... Ah, j'avais pas mis... J'avais pas activé mes fumigènes. C'est là. Il n'y a rien ici. C'est pas ici. Non. On va checker la porte. Non, c'est pas là.
juste par là-bas. Ouais, c'est ça, c'est là. Vous n'avez pas l'air d'un révolutionnaire assoiffé de sang. La capuche est quand même un peu sinistre, si je peux me permettre. Vous tenez l'arrière-garde, n'est-ce pas? C'est fort pratique de se retrouver séparé des combats par quelques portes verrouillées. Oh, je ne suis même pas là. Pas officiellement, du moins. Mais ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de fouiller le cabinet privé d'un roi. Vous cherchez quelque chose de précis? Secret d'État, correspondance privée, trésor personnel, ce genre de choses. J'espère que nous ne convoitons pas le même butin. Quel est le vôtre? Des lettres qui furent envoyées au roi, qui prêteraient à malentendu si elles tombaient entre de mauvaises mains. Je vois. Eh bien, nous devrions peut-être unir nos forces. On dit que le roi a fait construire un coffre secret. Si nous pouvions le trouver... Ok. Coffre secret... Là-dedans? Ah mais il est là, son coffre. C'est pas ça là? Avec une poignée. Trouvé, mais j'étais là. Vous disiez? Tout à fait remarquable, mon ami. C'est incroyable. Vous avez votre butin? Une corne d'abondance, oui. Et le vôtre? Il me semble. Oui. Le voilà. Cela devrait régler l'affaire. Il me semble qu'il est grand temps de partir. Pressons. Qu'est-ce que c'est? Notre issue. Couvrez-moi, voulez-vous? À vous battre. Allons-y. Fouillez partout! Je veux ces documents! Lui? Diable!
Oui, le capitaine Rouille fait généralement cet effet-là. Un ami à vous ? Une malencontreuse épine que je n'ai pas encore réussi à extraire. Il détient des informations dont j'ai besoin. Je dois remonter là-haut. Dans ce chaos, vous ne le retrouverez jamais. Venez avec moi, j'ai une meilleure idée. Vous n'avez pas manqué d'allant, là-bas. Je suppose que vous n'avez jamais songé à la carrière des armes ? Je n'ai jamais aimé obéir aux ordres. Ah, un individualiste. Le fléau des généraux et des hommes d'État. Je vous comprends. Les hommes comme nous ont un avantage sur les autres militaires. Nous pouvons penser par nous-mêmes. Si vous vous engagiez aujourd'hui, vous seriez maréchal avant 10 ans. Je vous le garantis. Une offre alléchante, mais je refuse. Un homme doit suivre son cœur. Venez me voir si jamais vous changez d'avis. Je m'appelle Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Lieutenant d'artillerie. Pour le moment. Arnaud Dorian. Enchanté. Rendez-moi service, voulez-vous ? Si on vous le demande, je n'ai jamais mis les pieds ici. J'ai observé toute cette sinistre affaire depuis un magasin de meubles, au Carrousel. Un visage perdu dans la foule, bien entendu. C'est lent. Tout un trajet. C'est un cul-de-sac. C'est quoi? Et maintenant? Attendez un instant. Vous devriez vous abriter. Tout est en ordre, monsieur ? Oui, caporal. Un tir superbe. L'entraînement régulier fait la force d'un régiment. Mieux vaut y aller, monsieur. Nos chemins se séparent. Et pour Rouille ? Laissez-moi quelques jours. Je tâcherai d'en savoir plus sur son affectation. Peut-être pourrais-je arranger une rencontre. Portez-vous bien. Ouais. Continuez. Oh shit, fait que là. Moi, je vais juste voir de quoi j'ai l'air avant de quitter. Avant de nous quitter, on va checker ça. Bof, j'ai mis mon équipement. Équipement. Tenue. Oh, t'es. Et puis j'ai pas mal de points de compétences. Checker, qu'est-ce que je pourrais mettre? Cache d'assassin. L'aptitude permet de créer une cage d'assassin qui vous permettra ainsi qu'à vos alliés de récupérer des bombes et d'autres objets consommables lorsque vous êtes équipé, appuyé pour créer une cache. Pas pris par tout ça. Des objets consommables. Discrétion. Ah, crachetage 2. Santé. L'aptitude permettant de soigner les joueurs proches lorsque vous êtes équipé et appuyé sur ça
administrer des soins. 10 aussi. Ah, ça c'est pas pire. Mais moi je pense que je vais prendre la cash. Ouais. Let's go, prends ça. Ok, je suis équipé de cette affaire là. Comment m'équiper de l'autre? Je peux pas l'équiper. Je t'équipais de ça. Mais portée. Je t'équipais aussi. Oh bof, là j'ai pas le temps. Vraiment de. Je pense que c'est en mission coop que tu peux l'utiliser. C'est ça là-dessus. C'est que c'était une histoire et rendez-vous dans le prochain épisode. Salut.